Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et on se retrouve sur Spyro 3 Year of the Dragon pour la suite de notre let's play. Donc la dernière fois on avait fait ce niveau là, avant-hier on avait fait celui là. Mais j'avais pas fait celui là, j'ai complètement zappé celui là. Quoi qu'il en soit, ben j'ai vu que la série avait bien commencé. Bon, y'a pas beaucoup de monde qui la regarde et bon, je sais que c'est pas l'aspect qui sera le plus suivi hein, parce que vous regardez pas tous ce genre de jeu hein. Mais bon. Moi je m'en fiche, je me fais plaisir. On va donc se faire les cimes enneigées aujourd'hui. Toujours vérifier derrière soi qu'il n'y ait pas de joyaux. Hein. Dans ce monde là, vous l'avez compris, c'est un monde qui est basé surtout sur tout ce qui est les vents. Lui il fait pousser dans le vide. Hein. Et enfin, attention aux bourrasques et à tout ce qui sera la foudre. Bon. Les rhinos ont éteint notre générateur de nuages. Et je ne verrai plus jamais d'arc-en-ciel. C'est triste. Ah, bon, allez, on va t'aider, hein. Fais pitié. On va activer les souffleries qui servent de plateforme. Si mes ailes étaient grandes et puissantes comme les tiennes, je pourrais facilement pla... Oui, je sais. Je vous rappelle au cas où on aurait vraiment foiré avec le chasseur, hein. Là-bas, il y a un autre passage, bon, il faudra faire le tour. Voilà, on va massacrer en boucle. Bim, 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 bim. Et toi, coucou. On a bien nettoyé ici, hein. Le joyau, non. Bon. Tourbillon. Oui. L'armure métallique. Je sais comment ça marche une armure. Et moi, j'ai changé totalement le système entre les deux jeux. Entre le premier et le deuxième et entre le second et le troisième. Ce n'est pas le cas. Ça marche pareil. Merci. Le pire, ces gens ne savent pas comment ça marche. Ben, ils essayent. Il expérimente la progression par échec, ça s'appelle. Et là, y a rien. Non. Et un petit trou. Le joyau. J'ai essayé un truc. C'est vrai que ça marche, mais bon. Non, mais les deux bas, ça marche pas. On va revenir à un autre endroit. Vous n'avez pas compris que le vent au sol ça marche pas contre les contre ceux qui sont en l'air. En vrai joyau. Et découvrons l'œuf. Stéphanie de Monaco. Avec son grand sourire. Un peu niais. De Stéphanie de Monaco. C'est un peu de jeu ce que j'ai fait là, mais bon. Bon. Ah, tout en... Hop hop hop, t'as fait oublier là. Petit sentiment là qui t'a trahi. Parce que de là on va pouvoir atteindre le... Non, pas d'un de là-haut. Oh non! Bon, bon. Ok. Et on peut voir s'il soufflait. Il y a un petit peu quand je suis là aussi, ça peut être gentil. Voilà. Bon, on va refaire quasiment le tour. Là-bas, je suis pas encore allé. Oula. N'oublie pas. Oui, je connais. Tu vois tout, c'est bien, et bon, au bout d'un moment, je pense être relou, hein. Désolé de le dire comme ça, mais... Bonjour. Bonjour. Il y a ces cons devant moi, là.
Y'a rien entre les côtés? Non. Bien. J'aime bien tout récupérer le plus vite possible. Et surtout, bah, ne pas devoir à revenir 50 000 fois au même endroit. Oh, tu as... Est-ce que ton générateur de nuages remarche? Ah ouais, ça remarche, il y avait un œuf qui est bloqué. Oh, il va pleuvoir. Les rhinos ont dû utiliser ça pour boucher le générateur de nuages. Henry. Henry, Henry IV. Ou alors Henry Ford. Bon, on peut faire plein de trucs avec Henry. Alors, avant de foncer là-dedans, je vais voir ce qu'il y a là-bas. Une petite épreuve, je crois que c'est pour un ou deux œufs, un truc comme ça. Ouais, je me rappelle de ce que c'est. Ouais, y'a rien. Je vais d'abord reprendre tous les petits joyaux. Y'a quoi? Comment je fais pour rater ici pareil? Je fais d'abord le rez-de-chaussée et après on se fera ce qui est l'étage. Alors, contrairement à ce que certains pourraient dire, non, c'est pas que un jeu à patoune. Il faut ramasser les objets, c'est tout. Il y a également un jeu de plateforme que j'aime beaucoup. L'univers est sympathique, je veux dire, les graphismes sont pas moches. Pour l'époque, j'entends, c'est vrai que certains diraient que ça magie, mais... Et encore... Bon, faisons l'épreuve. L'épreuve est très simple. Il suffit de ramener ces merdes-là au chaudron au centre. Voilà. Il faut le faire avant qu'ils s'éteignent. Il faut les réchauffer régulièrement. 1, 2, 3. Et voilà. Si c'était une, c'est un peu la loose. Faut tout commencer. Qu'est-ce qu'ils sont marrants avec leur petit soleil, c'est marrant. Qui la tâche portée à ces genres de détails. Ouh, la chaise. Normalement, ils doivent nous former un soleil, tu marques bien. Oh la gueule du soleil, oh putain le machin. Ça, c'est ce que j'appelle un soleil. Tiens, tu peux emporter cette dernière graine solaire comme souvenir. Lulu. Bon, en tout cas, 21 nœuds, pas mal. Et nous, on va quitter cet endroit. J'ai tout récupéré après tout. Bon alors maintenant on va explorer le reste du monde. C'est quoi ce truc? J'ai aucun souvenir. Oh, un voleur 2. Par contre mon gars, dès que je peux l'avoir, je crame. Oh bon là. Brian. Brian is in the kitchen? No. Ah
Bon, alors en tout cas ici. On va récupérer les jeux qui traînent, par... qui traînent derrière déjà. Normalement, on peut voir maintenant ce qu'il y a autour de la petite maison centrale. Ici. Et les preuves, si je rappelle bien, il faut cramer tous les esprits maléfiques. Merde. Le dernier armoire est ici. Et voilà. Est-ce que tu veux ce... La musique, c'est celle du multisseur de rêve dans Spyro 1. Jake et Dexter. Mais ce petit clin d'œil était vraiment sympa, la musique du multisseur de rêve. D'ailleurs, je vais me servir de ça pour récupérer les cadets à joyaux. Je vais checker une chose, au cas où. C'est pas quelque chose en haut, détour. Non. Bon bah on va partir. Par contre, comparé à la dernière fois, il y a plein de choses que j'ai pas pris. Alors le rock, je peux encore aller hein. Faut que j'arrive à monter en haut. Cette structure. Ça, si je me rappelle bien, c'est le début du jeu. Ah! Tourbillon est activé. Bonne nouvelle. Bon. Hop! Dommage. Je vais checker une chose. Est-ce que le fait d'avoir activé le générateur là et d'avoir fini la quête principale de ce niveau là, ça n'aurait pas justement activé le petit tourbillon qui se trouve là-bas? Et voilà, ça y est. Non, on va peut-être pouvoir faire le tour du. Le tour voilà par derrière. Et accéder à d'autres zones. Alors 8 vies parce que c'est pratique, dans ce jeu là les vies se conservent. C'est pas jeter la play plutôt qu'elles disparaissent. Non, c'est pratique. Pas comme des jeux genre Super Mario où t'éteins la console et bim, oh, tu retrouves ton niveau de vie du début, c'est-à-dire 4. Donc du coup, toutes les vies que t'as pu récupérer ailleurs à côté, ben, t'es dans le dos. Donc tu sais pas faire. Bon, un œuf là-bas. Le fond est pas très dur à atteindre, hein. Claire Morgan. Clark Kent, lol. Bon, il doit manquer quelque chose quelque part. Attendez. Maintenant la question c'est où se trouvent les autres joyaux qui me manquent. Dommage. Petite idée me vient en tête. Regardez ça, ça va être horrible. Il manque 10 joyaux quelque part. Bon, pareil, ça se petit coffre à la con quelque part, ou un jeu de 10 qui est planqué. Qui va me faire suer. Embusqué.
ça va être des zones cachées là. Tuez-moi s'il vous plaît, si j'avais fait une zone. C'est horrible. Bon, je check une dernière fois là-haut pour voir au cas où, si j'aurais pas raté un jeu de 10. Mais j'ai l'impression que ce sera plutôt dans la zone avec les. Elle est partie l'autre. Ah pour cela. Hein. Bien, je l'ai passé hein, normalement en plus. Bon bah, c'est dans la zone avec le petit soleil là. Enfin le gros soleil avec les têtes de soleil justement. C'est un peu paradoxal. Très paradoxal même. Bah y'a rien. Un petit coffre ici ou une enfoiré à exploser? Non. Bon c'est quoi? Ah c'est là, regardez. 5, c'est une blague. C'est-à-dire qu'il manque un jeu de 5 quelque part ailleurs. Oh c'est vicieux. Et là les petits points. Tellement d'espoir qu'il y a un jeu de 10 dedans et bon là non. Le petit sac qui me détruit mon espoir. Je crois que j'ai entendu d'ailleurs dans la voix là le. Ah, ah. Et derrière dans le coin là, y a rien. Bon, PLK ça me saoule, j'irai faire ça une autre fois lorsque, ou alors en off, je sais pas, je verrai. Mais non, pas là que je... Putain, je me suis gouré encore. Allez. Rien. Y'a rien. Je vois rien de spécial. Bon, bah c'est quoi? On va quitter le monde. Je n'ai adresse et à trouver ça moi-même. Ça frustre quand même. J'ai dit je quitte. Voilà, on va partir. On checkera ça en solo une autre fois. J'attendrai de débloquer le pouvoir qui me permet de localiser en appuyant sur les touches L1, L2, R1 et R2. C'est un pouvoir comme ça qui me permet de localiser toutes les jeux manquants. Bon, pour ça, il faudra au moins arriver vers la fin du jeu. Ce sera pratique si je fais 100% en off. Et normalement, j'ai assez d'eux pour faire une petite chose qui est le vol. Je sais pas comment ça arrive maintenant. Circuit des champignons. Ah, les fameux vols. Il y a un œuf et des joyaux à trouver là-dedans. Le défi. Construire trois montres, construire des papillons. Et construire ta montre. Alors, anneau, pissenlit, araignée, papillon. Anneau, araignée, pissenlit, papillon. Bon, c'est du classique, les vols, c'est du classique de Spyro, hein. Anneau, araignée, pissenlit, papillon. Et bah,
sacrée machine. Bah, les circuits sont beaucoup plus optimisés que ça. Et 45 secondes, ça devrait être largement assez. Je gagne du temps en très bien que je bute. Les papillons sont juste là en plus. Une fois qu'on a fini les pistolets, on fait les papillons. Il n'y a pas de temps lorsque je l'ai... Lorsque je pressais des bestioles. Oh putain l'erreur. On va réessayer, bon. Oh l'erreur. Le truc dans la grotte, là, j'ai raté les araignées qui m'a pourri. Je pense que vous êtes plus près d'un autre sens, ça va être plus simple. Bon, elles ont une petite inertie lorsqu'elles arrivent en bout de leur petit balancier. Bon à savoir ça. Et derrière, là, c'est plus con. Les papillons qui sont en haut. Et là, c'est du bas. Et voilà, c'est bon, j'ai tout fait. Victoire. Ouf. Bon, les premiers défis réalisés. Réussi. Allez, on m'offre un œuf. Sabina. Ça m'étonne pas qu'elle se fasse enlever celle-là. Cours sous le papillon maintenant. Je voulais traiter tous les autres contrôles verts dans l'ordre. Ok. Bon, c'est juste en fait un suivre le tracé. Et arriver premier de la course, qui est le petit papillon là qui... L'étoile c'est le turbo. Alors lui j'ai cramé le cul. C'est très mal, donc ça les ralentit un petit peu, c'est une bonne chose à faire. Le but c'est une course en 3 tours, d'aller le premier, en prenant tous les anneaux, et en battant les autres concurrents. En gros, premier max aura conçu pour gagner. Et cramez-les, parce que quand vous les cramez, vous les ralentissez un petit peu. C'est le troisième, vous avez vu. La course est passée tellement dure, juste de pas se planter. Bon, notez que eux aussi prennent les raccourcis. Hein. Il y a plus de celui-là. Il prend pas celui-là, lui. C'est que moi, je peux prendre ce raccourci-là. Pour gagner, le rattraper un petit peu, gagner un peu de temps. Il prend celui-là aussi, ah, le bâtard. Ouais, les deux points sont là. Il reste surtout pour les battre. Il a cul noirci là, vous avez vu, bien vu. Le dernier là. Après les deux turbos pour gagner. C'est pas dur, hein, c'est juste de prendre tous les turbos pour l'emporter. Et allez, passez le premier, bim. Justesse. Mais bon, l'important c'est de gagner. Non, l'important c'est pas de gagner. C'est diminuer son adversaire. Et voilà. Et premier prix, John.
John Wayne. Ton, ton, ton. On va faire par contre le cours de la montre, voilà. Parce que maintenant, c'est en temps additionnel. Et ce que je vais faire, c'est chercher le chasseur. Parce qu'il y a trois épreuves. À chaque fois, c'est l'épreuve cachée du chasseur. Le chasseur est quelque part. Je crois qu'il y a une tunnelle qui est sur un champignon. Ou alors qu'il est quelque part ici. Non, c'est une base de champignon, ça c'est. Est-ce que c'est pas en haut d'un champi par hasard? Du coup, il y a un petit défi à faire avec le chasseur. Je vous dis que derrière ce champignon, il y a un truc. Voilà! Je me rappelle. Il y a un gros champignon. Waouh! Une bande de moutons en soucoupe volante est sortie de nulle part et a commencé à semer la panique dans la course! What the fuck? Allez, on va l'aider. Ok, en gros le but c'est de détruire les moutons sans se faire toucher. Waouh! Bon, alors un canon chasseur et explosons tous ces petits moutons. Deux fois c'est un peu combi hein. Il tire en arrière. Il n'y a pas un quelqu'un qui te glisse de face. Faut juste que j'ai de rester derrière eux en fait. Il y en a un ici. Un de plus. Il va sortir de l'autre côté, vous allez voir. Moi je l'ai battu. Moi que je l'ai battu, effectivement. Alors non les autres. Il y en a un ici. On est à une demi-heure. Ils ont une trajectoire scriptée, donc c'est pour ça que c'est facile. Ah, là tu as un tiré. Ça peut être. De côté. C'est possible que ils sont pas tous sur le même trajet, donc du coup ben je dois rester de l'autre côté je pense. Et voilà. Oh là. Pas forcément par le tunnel là, forcément je le vois arriver. Et voilà. Waouh, vise un peu ça. Le chef de la bande avait volé cet œuf. Eh ben, nous récupérons donc Tater. Tater, please. Eh ben voilà. On va quitter le niveau. On a récupéré les 400 joyaux et les 3 œufs. Eh ben voilà, on est plein, on va dire. Je pense que l'épisode a duré combien de temps? Oh, il est assez long, hein. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ce jour vous aura plu. Moi, je continue de mon côté pour rentrer un autre épisode. Je vous dis à la prochaine et salut tout le monde !